Juste là, regarde, des énormes empreintes. Ça doit être celle des éléphantes. Je les entends. Par ici, suis-moi. Le bruit est assourdissant d'ici. Oh, un bébé éléphant. Oh, mais c'est Snort. Il est minuscule. Comment fait-il pour émettre un tel son? Pourquoi un tel barrissement? Sa patte arrière est coincée dans quelque chose. Non, Randy, n'avance pas plus près! Snort, reviens! Nous sommes là pour te soulager! Oh non! Ryder, Snort se dirige vers la rivière! Oh, oh! Les courants sont rapides sur ce cours d'eau! Peux-tu sauter sur le radeau et le stopper grâce au filin? Por supuesto! Bien sûr! Je suis là avec mon harnais! Je te tiens, Randy! Il est temps de regagner la terre ferme! Qu'en penses-tu? Bravo, Tracker! Allez, Snort, viens par ici, ne sois pas farouche! Tu ne crains rien avec nous! Ce pneu te gêne, nous allons vite l'enlever! Ouf! Ça va aller. Vas-y, Tracker. Bonjour, Capitaine Turbo. Alors, et cette journée avec Mamie Tilly? Ça ne se passe pas comme prévu. Elle est partie en pleine mer sur le dos d'un dauphin. Oh, elle est déjà très loin à ce que je vois. Pas d'inquiétude. Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent. Tout chose, Dauphinou. Mais dis-moi, nous nous sommes éloignés de la côte, je ne rêve pas. Votre petit-fils a donné l'alerte, nous sommes là pour vous aider. Très gentil de votre part. Chase, Zuma, à vous. Chase, go, 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 go. Zuma, go, go, go. Eh bien, où est-il passé, ce dauphin? Bonjour, les amis. C'est lui qui nous a trouvés. Très bien, monsieur le dauphin. Si tu veux t'amuser... Grand-mère Tilly a du mal à rester stable. Chase, à toi d'attirer ce joyeux farceur. Entendu. Lance calamar. Chaud devant. Bien visé, Chase. À toi, Zuma. Rapproche-toi, car le dauphin va sûrement plonger. Pas de soucis. Non, sur un hors-bord. Merci d'être venus aussi vite, les amis. Madame Goodway et les jumeaux ne sont pas rentrés de leur balade en raquette. Stella, tu vas survoler la montagne en hélico et essayer de localiser tout le groupe. Everest, toi qui connais si bien la montagne, tu partiras en repérage avec le chasse-neige. Neige ou verglas, je suis toujours là! Oh, excellente idée, Galinetta! Nous devrions lancer un signal d'alerte. Pour appeler à l'aide, sifflons trois fois. Tu entends ça? Le sifflet, c'est le signal d'alerte! Ça ne peut être que les Goodway. Stella, est-ce que tu vois quelque chose? Je les ai trouvés! Ils sont juste en dessous de mon hélico! Oh! C'est la Pat Patrouille! On est sauvés, Justina et Julius! On est sauvés, Galinetta! On vient de rejoindre, Daddy! Oh non! Ryder, nos randonneurs viennent de glisser sur la rivière gelée et ils se rapprochent des chutes!
On file sur place. On ne peut pas les laisser tomber du haut de cette chute d'eau. Everest, accroche ton grappin autour du sapin et tends ton câble jusqu'à l'autre arbre. D'accord, Ryder. Snowboard. Grappin. Que chacun se donne la main. Eh bien, c'était... génial! Bon, au moins vous avez l'air de vous être amusés. Et maintenant, il va falloir que je me relève avec ces... Oh! Oh! Chaud de vent! Tout le monde va bien? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! L'étang au canard, il est passé où? C'est le moment d'appeler la patte patrouille. D'où vient ce bruit? De là! L'eau a dû s'évacuer par cette bouche d'évacuation. Il nous faudrait quelque chose d'assez petit pour aller vérifier ça. Agent Chase, j'ai besoin de toi et de ton drone. Drone! Super! Voyons voir où ça nous mène. Hé! Hey, ces canalisations débouchent sur un tunnel. Jusqu'où le drone va-t-il aller comme ça? Jusque-là! On dirait qu'il s'est arrêté net dans le tunnel. Tu veux dire qu'il aurait été bloqué par quelque chose? Ça se peut. Il va falloir qu'on aille s'en assurer. Zuma, partons faire un tour dans ces tunnels. Je suis prêt! Si on arrive à retirer quelques planches, l'eau coulera à nouveau dans le tunnel. Et l'étang au canard se remplira en moins de deux. Bonne idée, Ryder! Tu vas y aller progressivement. Il ne faudrait pas que l'eau jaillisse d'un seul coup. Maintenant, filons avant que le tunnel ne se remplisse complètement. Ne vous impatientez pas, les amis. Ryder va vous remplir cette pièce d'eau. Oh. Casser le gros orteil, c'est la meilleure idée de cette journée, non? On devrait m'appeler Monsieur Génical. Oh là, oh, oh, oh. Sur quel bouton faut-il appuyer? Ryder! Mademoiselle Marjorie à Ryder! Ne vous en faites pas, Mademoiselle Marjorie, nous allons le sauver. Chase, place-toi plus loin sur le chemin et déploie ton filet pour arrêter le bolide. Oh non, pas ta substance qui empeste! Le filet n'a pas fonctionné! Le maire a changé de direction et il fonce vers la rivière! Les amis, on se retrouve à la rivière! On doit porter secours à toute une ménagerie! Il faut construire un barrage sur la berge! Le putois, c'est lui qu'il faut enlever! Celui-là, il sert à quoi? Bien rattrapé! Quel beau sauvetage, Zuma! Et Ménard, tu es un as du volant! Oh, enfin! Je suis sur la terre ferme! Danse de la joie! Danse de la joie! Alors, il a été guéri en un temps record, votre orteil! Ryder, de tout cœur, merci d'avoir sauvé mon raton laveur adoré et d'avoir porté secours à Monsieur Hellinger. Oh, merci, la patte patrouille. Tout le plaisir est pour nous. Quel que soit votre problème, n'oubliez pas, la patte patrouille vous vient en aide. Retrouve la patte patrouille sur Nickelodeon Junior.